spectacle qui a bras poursuivre sous télévision nationale d'Haïti. J'ai un autre remarqué ensemble avec nous, des jeunes qui a chanté musique décollée, en musique à succès de Jay Perry, en musique qui quand même vantait presse pays d'Haïti, en musique qui quand même traduit réalité pays ça, un pays qui a un pile bagaille pour le vendre, surtout sur le plan culturel. Les jeunes ça y est avec qualité peinture qui est sous Mario, monsieur yo surtout. Donc nous croyons que Jodi a fait preuve que yo gagne un pile bagaille pour vendre à Montland par rapport à ça que nous représentons sur le plan culturel. Là, c'est encore une preuve que toute catégorie sociale impliquée dans l'organisation carnaval là, n'est-ce pas? Ferre Vodou la caille, rara femme. Pour deuxième jour là, c'est quand même troisième rara que femme a joué qui défilait devant. C'est Ferré Vodou Lakay, Rara Femme, FTV. En dehors de mon web garder cava musée ou même moi prendre plaisir dans carnaval là tout définitivement. Moi je sais pas même plaisir m'a travail tout. Donc m'a travail pendant que m'a prendre plaisir. Ah mais pas un plus bon mariage donc plaisir et travail en même temps. Son beau son belle fête bonheur. Ça vraiment d'un ça bien couru, ça a bien passé bonheur sur belle plaisir mais puis ménage à garçon, tout groupe toute couleur bonheur sur mariage. Effectivement, et c'est ça me d'être bonné dans carnaval là, un carnaval qui offre possibilité à toute catégorie monde pour participer là-dedans, quel que soit l'âge dit, quel que soit la catégorie sociale qu'il a appartenu. Et je dis à ces preuves là sous parcours carnaval là sexy. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais dommage que nous pas avec sexy qui sont chats cap chimie ou bien sont l'autre chats cap fait, c'est intéressant. Mais quand même, pendant ma fête travail là, ma danse, je couvre quand même, moi monté à micro, caméraman, tout pareil. Sauter un achat accompagné sexy, sexy accompagné TNH, j'ai mis la fête travail là-bas. Travail à la fête. Merci à vous, sexy. Ferré Vodou Lakay, Rara Femme. Mesdames, yon tout feu, tout flamme. Y'a pour finir une ambiance. En pile coup de bambou, en pile coup de conné. En pile coup de tambour. C'est très important, qualité image, cap avancé vin jeune nous là, c'est très 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 important. Ce genre de dit, nous croyons que dans le pays d'Haïti, il y a des efforts nous obligent à faire pour que nous ne quittions pas mémoire peuple ça, mémoire nation ça mourir. Et l'initiative ça que Fondation font pas direct, qui a honoré mémoire, un artiste inoubliable, Jean ça écrit dans l'affiche là, pour que c'est père fondateur font pas direct là, Nemo Jean-Baptiste, qui 2 février qui sont passé là quand même, t'es rappelé, mais déjà plusieurs, environ 100 ans depuis Nemours, si Nemours est vivant, nous avons dit que Nemours est gagné 100 ans depuis qu'il existait. Nous avons avec nous responsable fondation et compagnie direct qui prend l'initiative ça aujourd'hui. Pour qui sont initiatives pour ça et comment penser que l'initiative ça a bienvenu dans le carnaval 2018 là? Je pense que pour ça, moi, je suis rendu le monument artistique qui se trouvait qui est poli dans le Christian Nadet. Je estime que le monument artistique symbolise le même carnaval. Nous n'avons pas passé quitter le carnaval là-bas, c'est Sandba. Venez moi le Moïse Matisse. Parlez-moi de l'école musique de Moïse Matisse. Pour des l'école nous créer. Pour nous rendre Moïse Matisse, on vit pour hommage. Et deuxièmement, pour l'encadrer la jeunesse de Matissan. Pour nous combattre violence, délinquance, oisiveté en dans la pour Matissan. Pour ce message là passé aujourd'hui. Pour ce message là passé, nous tournons son appel par le président. Caravane Jean, il m'a appelé de Matissan tout. Parce qu'avec musique là, nous avons transformé la communauté de Matissan. Mission par nous, c'est faire une transformation sociale dans le niveau mentalité jeune. Pour comprendre nos pays, nous aimons. Si nous sommes un pays, il faut travailler pour développer le pays. Merci en pile.
Ou qu'on est son monsieur sexy? Ou c'est petit nemo ou bien ou son monde qui est responsable? Moi, pas petit nemo, Matisse. C'est moi qui initiateur en bénin idéa. Même qui petit nemo, Matisse, là même là. Vous êtes petit nemo, petit nemo là, et puis pour nous passer comme ça. Nous avons avec nous petit, un gros poteau de garçon qui crée un combat direct. Là, je dis à qui sentiment ou on nous compte que nous avons honoré papa ou comme monde qui offre le pays à un héritage inoubliable qui est un combat direct là. Mon cher, moi senti moi très fier aujourd'hui de ce que moi là. Et puis, je salue la télévision, je salue tous les téléspectateurs qui suivent nous là. Et puis, nous participer dans le défilé aujourd'hui, c'est parce que pour nous fêter le centenaire de Jean-Baptiste. Et puis, centenaire, nous ne pouvons pas fêter seulement pour aujourd'hui, nous fêter pour toute année net. Et nous avons un spectacle tout, centenaire que nous avons fait. Et nous avons passé à place cette année. Et ça fait nous inviter tout jazz qui voulait participer ensemble avec nous pour nous capables de fêter ça tonnerre. Un message pour artistes qui quand même je dis à vivre de l'héritage que nous avons quitté avec ces combats. Ok, bon dis nous. Activité ça réalisé là. Et c'est nous faisons maintenant avec Fonet, justement la Fondation d'histoire pour le développement. Faut me dire nous, la place on appelle à tous les musiciens, tous les qui veulent combattre direct, faut avoir eu ce matissant. Si chacun artiste est capable de créer un instrument. Ouais. Dans l'école là, pour nous former plus de monde, parce que nous avons dit que c'est important. Nous avons un appel encore par le président Jovenel Moïse, qui est président de l'Assemblée avec nous, par la première dame, non, pour nous faire un changement de Matissa. Dernière question. Est-ce que Fondation, nous jeunes qui aide nous avec l'école là, non, ou bien est-ce que qui boit Fondation et tout? C'est deux questions. Qui boit Fondation et est-ce que nous jeunes aide pour Fondation et puis pour l'école musique? Fondation, ça, son Fondation, nous mettons campé, pas bien, nous devons faire une transformation sociale de Matissa. Transformation sociale et dans la mentalité jeune. Pour comprendre, il faut déposer des âmes. Et on demande bon chemin, chemin d'éducation. Et ça, c'est une fois qu'on a son appel, bah, tout musicien. L'année, ça a fait des 100 ans de Mounio Matisse. Si l'État a bien 100 ans, on a organisé un festival 100 ans, jusqu'à venir apprendre, on a organisé. Parce que tout dans la même optique, pour venir aimer moi, le Mounio Matisse. 100 ans, pas 100 jours. Il y a un bilan de plus de 100 ans. Le matin, il y a 100 ans, ça va passer, ça ne va pas faire rien. Nous avons une collaboration avec Fonet, qui se fondait sur la liberté avec M'Dap trouvé un peu injuste. C'est monsieur, remercier monsieur Jean-Michel Lapin. Qui met l'école là existe toujours, c'est directeur général, ministère de la culture. Nous avons un appel à tout chef de pays, ministère des Affaires sociales. Vous avez besoin de Matissan. Je ne laisse pas Matissan bien encadrement. Je ne laisse pas Matissan besoin de travail. Je veux besoin de combattre, mais vous défendre tête directement valablement. La musique au service de la transformation sociale, c'est sa message là. Et Jodia et Fondation Nemours Jean-Baptiste, qui lui-même Nemours, que en pile moun connaît comme père fondateur, compas direct ça, rythme ça, qui Jodia a fait ça, a fait sous parcours Carnaval Chanbassa. Puisque Jodia, si qu'on est capable de gagner Jakout number one, si qu'on est capable de gagner T-Vice, si qu'on a gagné Sweet Mickey, si qu'on a gagné Kai, si qu'on a gagné Vibe, si qu'on a gagné Maestro, au-delà de. Et je dis variation qui est une qualité comparée entre deux groupes récents à jouer, mais Nemours Jean-Baptiste c'est quand même pionnier de ça. Elle était très intéressant aujourd'hui dans le cadre de filet carnaval là pour que nous te rendons hommage à Nemours Jean-Baptiste que nous dit qui c'est quand même bataille pour offrir nous héritage ça, que un pile artiste relève un héritage sacré. Et donc c'était un sacré Nemours qui nous a offert cet héritage. Nous avons salué mais vraiment centenaire Nemours Jean-Baptiste, Nemours qui fait en 2 février 1918, qui s'il était vivant à Néac, a célébré 100 années d'existence. Donc, étant donné que Nemours mourit depuis en 1985, en mai 1985, donc année ça, nous quand même apprenons hommage à Nemours Jean-Baptiste. C'est ça. Carnaval 2018, nous sommes au Champ de Mars pour nous permettre de vivre Carnaval ça en direct sous Télévision Nationale d'Haïti. Qui nous dit que pendant nous même n'a parlé là, il y a un chef de l'État qui lui-même a parlé avec télévision pas trop longtemps de ça et qui a une opinion par rapport à Carnaval là qui a déroulé nous dans le deuxième jour. Le président qui continue à lancer même appel à la paix à chaque grand monde pour que vous compreniez que vous nécessitez aujourd'hui pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous réaliser un superbe carnaval, une belle édition carnaval 2018. On pensait que l'interview ça apparaît. Nous avons invité Jasmine Lansemet faire nous coûter l'interview ça. Mais en attendant, qu'il nous dit que parcours chant de masse, en attendant que nous avons l'interview, le président fait autour de carnaval là, qu'il nous dit que l'animation lui-même a continué
au niveau de Champ de Bassa, côté nouillé, exactement devant Rex. Qui sait, Jean Remédil, dernier point, de bon groupe ou bien troupe, n'importe qui bon à pied, ou fin passer là, ou capable de dire qu'on boucle partout au carnaval. Et donc je dis, mon cœur que là, nous déjà gagné plusieurs bon à pied, plusieurs troupes de danse, plusieurs troupes de théâtre, troupes de mime, qui ont même déjà défilé devant nous, déjà passé devant stand officiel Télévision Nationale d'Haïtien. Donc nous croyons que je dis, pour un pile dans le groupe, ça a éventuellement pas de chance de passer hier. Et qui va reprendre si a passé demain, puisque ça a toujours arrivé que grande difficulté avec une va passer ou l'autre. Même quoi que c'est important pour que nous rappelions que jeudi a déjà gagné un pile bon à pied, un pile troupe qui défilait. Même si jusqu'à présent nous beaucoup ouais Charles Allégorique qui se prévoit, ou une dizaine qui se prévoit défiler. Mais moi pense dans mi-temps Charles Musical, nous se gagné environ 20 Charles Musical qui prévoit pour défiler à soir. Jakout number one a supposé premier qui passait à soir. En plus, mon apprenant Jakout qui malheureusement pas de chance arriver devant Rex d'ailleurs. Donc je crois que c'est autant de dispositions, autant d'attentes pour le carnaval national qui a approché, je vais dire, vers un moment pour que Jazio vienne jouer compas. En parlant de compas, tout à l'heure nous sommes parlé avec petit Nemou Jean-Baptiste qui a décidé d'honorer Nemou Jean-Baptiste dans le carnaval 2018 là. Un hommage qui vient dans un moment bien déterminé, un hommage qui vient dans un contexte spécifique, puisque année ça, si Nemou est vivant, Nemou a fêté 100 années d'existence. Donc 100 années d'existence pour Nemou Jean-Baptiste, ce n'est pas d'abord mes affaires, mais malheureusement Nemou qui quitte nous depuis 1985. Donc nous croyons que jeudi a été important par rapport à l'initiative qui prend tout un hommage à Nemou Jean-Baptiste. Fashion Matin qui arrive sous nous, bon parcours, en attendant que y ait 4x4 BND, mais avec Fashion Matin, on nous regarde comment la réalité carnaval là est. Jusqu'à présent, nous avons deuxième jour gras. Est-ce que nous amusons nous? Est-ce que nous estimons que la réaction de Mounio qui t'apprend Fashion Matin est amusée dans le carnaval là? Maintenant, seulement ça, nous avons fait le carnaval. Nous avons fait pour tout le monde qui a fait le carnaval là. Nous avons fait le carnaval là. À présent, on satisfait de ce qu'on fait là. Pour nous satisfaire, c'est tout pour la première jour, à 4-3 jours, n'est-ce pas, hein? Nous comptons avec tout ça. Merci en pile. Merci en pile, Fashion Matin. Bon carnaval. Nous avons une interview, président. Par exemple, on va permettre de vivre l'ambiance 4x4 Ben. 4x4 tabou Ben. L'ambiance du carnaval, c'est sur la télévision nationale d'Haïti. En direct depuis le Champ de Mars, pour vous permettre de vivre l'ambiance du carnaval au cœur de l'événement. Quatre taboumènes qui a créé animation, qui a créé ambiance au niveau du Champ de Mars là. L'ambiance. Jusqu'à présent, constat bah, que 4x4 tabou ben c'est Bonabien qui mène plus monde derrière par rapport à côté nous là. Fashion Matin et 4x4 tabou ben, yun derrière l'autre.
place du carnaval au Champ de Mars. Télévision nationale d'Haïti en direct pour permettre de vivre. Ambiance ça. Moment de grande folie, moment de grande euphorie au Champ de Mars. Quittez-nous tout que Fashion Maté avec 44 taboubens qui Younde, l'autre, et là c'est l'animation Fashion Maté qui va vivre puisque taboubens lui-même, lui, derrière Fashion Maté, Fashion Maté qui a créé l'animation au niveau de Champ de Mars là, nous avons nous dit son bande qui mène en pile monde en dehors du fait que c'est deux bandes qui collent une club. Je ne pas qu'à taboubène tout près Fashion Matéa. Nous avons empêché que nous distinguer l'animation que Fashion Matéa a créé là par rapport à l'animation que 4x4 taboubène lui-même a créé derrière. Moi je dis ça très souvent, chaque fois que j'ai l'occasion et chaque fois que j'ai le micro dans même pour me parler de carnaval. Moi quand que ben à pied une place sur le carnaval là, et c'est ça Fashion Maté a prouvé nous là aujourd'hui. Moi même dis ça dans le carnaval, moi même dis ça chaque fois que j'ai mis pour nous même pour moi commenter l'activité carnaval là. Moi crois que Banapieyo c'est un gros tonton acteur, son acteur important dans l'affaire organisation carnaval. Et Fashion Maté se trouve nous ça là. Et 4x4 taboubens qui a venu derrière nous encore une fois pour justifier mes thèses ça. Thèse que 4x4 taboubens, thèse que Fashion Maté, au même titre que tout l'autre Banapieyo, il y a une place yo. Dans le carnaval là, et année ça offrit bonne possibilité en vingtaine de bandes à pied côté comité carnaval là offrit aux possibilités pour participer dans le défilé carnavalesque là. Donc nous croyons que c'est un gros initiative qui prend pour permettre que bandes à pied eux-mêmes aient une place dans le carnaval là, puisque pendant l'époque c'est eux-mêmes qui étaient prisés dans affaires carnaval chasse au nord pour qu'on ait autant d'importance, autant d'emprise dans le carnaval là. 4x4 tabou ben gabrivé, et là nous pourrons vivre bien ce carnaval là. Comment on a trip? Joyeux carnaval, comment carnaval est jusqu'à présent, comment est le carnaval? Joyeux carnaval à TNH, tous les fanatiques de TNH, encore une fois, à féliciter nous pour le travail que nous avons fait dans le monde culturel là. Joyeux carnaval en pile interaction entre le public là et Taboubén. Et Joyeux carnaval, vraiment pile couleur, vraiment Taboubén, c'est une bonne qui référence dans l'affaire Banapier pour l'année 2017 là. Nous faisons 54 prestations, nous jouons de tous côtés, dans le festival c'est nous-mêmes, Bikini. Et N-Plaza, et Fête Sony Mix, Fête B-Mix, c'est nous qui sommes dans la sélection nationale là, et depuis là, je suis dans ce stade là. Vraiment, nous sommes en cause année 2017 et année 2018 là, parti pour la plus belle. Deuxième jour là, est-ce que nous avons déjà parlé de satisfaction pour 4x4 taboubens? Jusqu'à présent, participation très bonne. Seulement hier, il y a gros problèmes dans la logistique hein, parce que était vraiment coincé là, Jean-Michel Matéli dans ta pris. Vraiment, c'est vraiment difficile, ne pas 6 à 7 bandes. Ensemble et c'est mon difficulté. Même parce que je tiens, je remets la situation et je tiens à la pile ambiance et bonne aller plus bien. Je tiens. Joyeux carnaval et puis succès, moi-même déjà commencé à faire des succès à Tabou. Mon question. Achetez, vous devez passer en premier. Nous pas jouer en premier, nous ne pouvons pas passer. Mais je tiens encore, c'est un dernier bon qui passe, mais qui s'active toutes ces choses. Ce ne va pas dépendre de nous-mêmes, il dépend de. Positionnement que vous mettez nous. Depuis que vous mettez nous frappons. Mais hier, c'est un problème de logistique qui dérange que toute bande de vignes au seul coup. Mais vraiment, je tiens à la carrière, je tiens à la paix, je tiens. Merci en pile, acheté. Au revoir.
4 par 4 taboumen. Cap créé animation, cap créé ambiance au niveau de Chan Masla. Pendant 4 par 4 tabou, ben lui-même a offert animation au niveau de Chant Massa pendant que n'a pas amusé. Mais qui t'aime, dis-nous que j'aime annoncer le président de la République là, qui t'a adressé la télévision nationale d'Haïti dans l'occasion carnaval là. Et le grand ensemble de messages que l'envie partager avec nous. Nous allons vite suivre et nous tourner tout de suite après pour nous recontinuer pour plaisir, recontinuer offrir qualité prestation que différentes bonnes pieds eux-mêmes ont offert sur Chant Massa, nous permettre pour vivre l'ambiance là dans toute intégralité. On a suivi l'interview du président de la République là. Premièrement, faut moi remercier le comité carnaval là et la mairie de Port-au-Prince qui réellement font un gros travail parce que hier, nous avons un carnaval qui commençait du début à la fin et il faut remercier la police nationale là pour pas de brutalité parce que moi suivre tout parcours là, marcher, me descendre dans la bande, me danser, moi vois que réellement, il y a pile progrès qui fait en matière de gestion pour que le carnaval dans le pays. Mais, sur l'observation PAM, je me rends compte que le volume de gens dans le carnaval, la quantité de diaspora, les gens qui sont sortis dans le pays étranger qui viennent dans le carnaval, je dis en fois qu'il y a une équipe qui commence à penser le carnaval là autrement. Pour que le carnaval là vienne réellement, en activité culturelle, en activité touristique qui va permettre que le carnaval là crée un peu de richesse pour le pays. Moi, je parle avec le magistrat de président déjà, je parle avec le comité carnaval là, et je vais faire une rencontre avec la Fédération nationale des maires et tout, pour travailler, pour nous comment pour nous faire pour que le carnaval là, chaque année, pour nous faire le carnaval là, soit capable de rentable. Parce qu'il y a une possibilité pour Samuel pour nous rentabiliser. Parce que l'homme garde dans le niveau artistique, moi je garde le Bureau national d'ethnologie, moi je garde le théâtre national, moi je garde la performance jeune, sous pas quoi, c'est un débat extraordinaire qui fait nous comprendre que aujourd'hui, nous avons gagné un carnaval qui pas respecté aucun carnaval sur la terre. Mais sauf que je ne dis pas, il faut les mieux organiser, il faut les plus bien organiser et il faut nous vendre mieux tout. Président Jovenel Moïse, nous sommes même pas diplomatiques là, je dis à ce stand-là, c'est une invitation au président de la République là. Parce que le rôle pour nous, c'est vendre le pays positivement. C'est pour ça que je demande tout ambassadeur, tout attaché diplomatique qui vient dans le pays, je demande pour participer avec nous. C'est pour ça que nous. Ambassadeur canadien, chargé d'affaires américain, nous ambassadeur argentin là, en délégation de l'Espagne, en pile monde qui là, en pile étranger qui vient assister au carnaval là aujourd'hui. Hein. Parce que pour nous changer l'image du pays, ce n'est pas parler pour nous parler seulement, mais pour nous dire ça a fait tout. Pour nous dire que nous avons une capacité pour nous bien organiser, nous avons une capacité pour nous vendre l'autre image pour Haïti que nous voulons mettre sur route, changement tout bon voyage. Pour nous mettre Haïti sur route changement. Merci beaucoup. Le carnaval a son belle vitrine, non seulement pour nous, pour les artistiques, mais pour nous, pour nous, merci pour nous, pour nous, matériellement, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, parce que c'est une remise matérielle, sous question état général, et sectoriel, là, pour nous dire que nous travaillons pour sortir Haïti, on commence à prendre contact avec différents secteurs. Mais qui prend nous aujourd'hui, parce qu'en plus, nous attendons l'état général, ça. C'est une très belle question, et il faut me dire, franchement, je te dis merci, je finis, mais la question, ça va me répondre. Nous connaissons que pas de développement sans la stabilité politique. Là, nous parlons de stabilité politique, là, c'est ça qui peut permettre que tout Haïtien yon ka la glotte. Tout Haïtien yon ka accepter ça, l'autre a dit. Même là, nous sommes dans la même partie politique. Même là, nous ne sommes pas sortis dans la même classe. C'est le rôle État généraux sectoriel nation. Comité pilotage là, dans pile monde, en pile personnalité connue, nous contacter et nous croyons que nous sommes deuxième réunion, nous avons parlé avec eux. Incessamment, nous allons sortir arrêté qui nommer comité pilotage là. Et à partir de arrêter ça, pour
nous commençons à marcher à travers tout le pays pour nous faire session sous secteur. Je parle de son état général sectoriel de la nation. Chaque groupe monde dans le pays a parlé de Chita Balansan. Je voulais parler de l'université, je voulais parler de paysans, je voulais parler de ouvriers, je voulais parler de l'organisation populaire, je voulais parler de l'organisation de femmes, de le monde professionnel, de parti politique, diaspora, je voulais parler de religion, etc. La presse, tout le monde va Chita parler pour dire comment nous voulons le pays. Le pays futur ça pour nous préparer projet de développement pour 25 ans. Mais pour nous faire, on pas qu'à faire pour compte moi. C'est pour ça état général sectoriel pour tout le monde parler ensemble pour nous capable fond document et puis basé sur document qui vient déjà. Parce que faut nous dire nous avons plus passé 2012 documents qui dans tiroir. Mais pour qui ça document ça pas jamais appliqué, c'est parce que mise en œuvre yo gros problème d'appropriation. Jodia n'a fait ça reler une vision partagée, vision mienne, vision équipe mienne. Mais pour faut qu'il approprié, faut que le peuple l'apprenne. Pour le prendre, c'est pour ça que nous parlons. Faire. État général pour tout le monde ensemble, pour vision partagée, qui pour permettre pour nous sortir dans un cycle de suivi, pour nous aller dans un cycle de prospérité, un pays côté nous mettre sur une route de développement, une route de changement, une route côté chaque Haïtien qui a utile tête, Haïti qui a servi, Haïtien qui a servi avec Haïti pour le travail. Téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti. Joyeux carnaval, Sabine. Joyeux carnaval, Ricardine. Joyeux carnaval à tous les téléspectateurs, télévision nationale d'Haïti. Bien sûr, et Sabine, juste avant, puisque nous là depuis après-midi et tout à l'heure, on te permet, téléspectateurs, de suivre l'intervention président de la République là, qui dit même depuis après-midi en présent, ensemble avec Madame Nimatine Moïse, juste la présidence, qui a suivi des filets artistiques là. En quelques mots, déjà, nous sommes président, Sabine. Le président de la République là, et parlé sur la deuxième journée, il parlé sur hier surtout et niveau satisfaction, le travail que le comité carnaval a fait hier, qui était en premier jour. Il a toujours considéré le premier jour comme un jour d'essai, parce que tout le bagage n'est pas parfait dès le premier jour. Donc il a dit qu'il allait attendre pour la deuxième journée, que le travail a fait mieux, mais il félicite le comité à encourager, le comité à faire mieux. Le président de la République a parlé de spécialité qui vient sous stand-pal là pour la deuxième journée. C'est que et pour la deuxième journée, il y a des ambassadeurs qui là, il y a un pile étranger qui sous stand. Nous sommes capables de noter et nous remarquer l'ambassadeur pays Argentine qui là, l'ambassadeur pays Canada qui là, et il y a un chargé d'affaires plusieurs pays qui là, chargé d'affaires États-Unis, chargé d'affaires pays Chili, chargé d'affaires Mexique. Et chargé d'affaires Brésil, nous connaissons qu'il y a un gros carnaval là, qui est un carnaval mondial, tout le monde connaît. Donc il y a l'autre autorité, l'autre personnalité dans le monde diplomatique là, qui est là. Il y a un représentant des Nations Unies, Mme Suzanne Page qui est là, et représentant UNESCO à tout, et Paul Gomis qui est sous stage là, qui est sous stand de la présidence là. Donc c'est tout le monde ça, qui est présent pour la deuxième journée sous stand de la présidence là. Et le président de la République l'a expliqué, il est clair. Parce que je me suis posé la question, contrairement à hier, je dis à nous, en pile diplomate sous stand, est-ce que c'est une invitation spéciale du président républicain? Il dit oui, parce que une démarche la paix, une objectif, c'est eh bien, bah, une plus bonne image de Haïti dans le pays étranger. Et paysan Haïti, le carnaval là, c'est un moment pour montrer qui sont gagnés la caillou en termes de richesse. Donc c'est une occasion président de la République l'a saisi pour non seulement faire ouais qui ça ici à la Cali pour capable tout monter originalité nous parce que blanc lui-même qui ça l'a cherché blanc pas chercher même bagarre ça la Cali si chercher d'après Brésil la vie il connaît qui chaque carnaval qu'on fait déjà au Brésil il pas besoin de défiler 100% Brésil il besoin de défiler à la haïtienne
Donc, moun sa yo, et la loi qui sa pays a gagné, et qui sa yo capable de nous, et nous même tout qui sa nous capable de côté pour yo, nous capable de faire échanger avec eux, même changer de tartine, nous changer ça, l'heure de faire oui maintenant. Il y a un pile diaspora, année sa encore, qui vit dans le carnaval, un pile diaspora, donc ça, c'est un bon notre poids. Bien sûr, Sabine, il faut dire que déjà, et tout à l'heure, on a déroulé l'intervention de nous, puisque pour jeudi, on a notifié que hier, pas vraiment gagné seulement un seul char allégorique qui était arrivé. Au niveau de stand la présidence stand au niveau que tu nous là et c'était Konatel qui était représenté et je dis selon toute dernière information que le comité a lui-même été communiqué pour voir que chaque allégorie est supposé passer et n'a justement. Donc là maintenant Sabine il faut dire que le ministère du tourisme par rapport avec ensemble de dispositions qu'il prend pour capable faciliter le tourisme et c'est en ce sens que le président République là son excellent Jovenel Moïse jeudi à tout et qui c'est une particularité qui gagne pour jeudi à ce système présidentiel là que tu as souligné là différentes représentations diplomatiques ça qui fait de manière à ce qu'on va permettre que au niveau relations diplomatiques on va permettre que ambassadeur yo même représentation ça yo ou du moins représentants ça au chargé d'affaires ça yo capable bon idée de qui ça nous gagne comme culture et pourquoi pas ouais comme on est capable font partenariat par rapport avec carnaval nous hein, permettre que carnaval la livine beaucoup plus rentable pour le capable même jeune de souligner tout à l'heure pourquoi pas le Brésil bon carnaval mondial pourquoi pas nous même nous va arriver dans niveau ça et n'a justement mars ça un bel carnaval la caillou mais Haïti tout capable bien des acteurs même jeune acteurs là yo capable défiler pendant 3 juin yo capable de représenter Haïti dans carnaval Brésil yo capable pour Haïti cap passer nous capable brancher et un carnaval cap fait Panama par exemple et pour voir une délégation haïtienne. Justement. Les masques qui sont déjà même qui allaient l'autre bois. Donc c'est ça le président de la République qui préfère. Il voulait prendre l'autre Haïti qui autre que ça pour garder sous tirer le plus souvent. Bien sûr, et Sabine, juste avant, on a rappelé que gagner ensemble des dispositions qui prend pour capable faciliter protection de Timounio, puisque depuis hier, nous avons souligné au niveau de stand la présidence, puisque pas trop nous gagnons un centre qui là pour capable recevoir Timounio et n'a rappelé quelques numéros. Si on parle à un Timoun, que lui remarque qu'il n'est pas jeune, il est capable de le numéro brigade de protection Timounio, qui c'est 118 et en même temps tout capable de le bien-être social, le numéro 47 47 85 87. 47 47 85 87. Donc là maintenant, à tout de rôle, Sabine n'a bien probablement pour nous capable retourner encore une fois, puisque là maintenant, nous allons rejoindre l'équipe qui est au niveau de Rue des Casernes, puisque nous sommes parmi un peu partout sur le parcours, de pour nous capable permettre que les téléspectateurs vivent pleinement le carnaval 2018. Là. Vamos a ver ya está.
Nous venons en zone sérieux là. Nous venons la présidence, puis nous venons là, ou Fatma. Nous saluons tout le monde. Et je dis, si nous là, c'est grâce à bien-être social. Madame Ariel Vindouin, et bienvenue de Port-au-Prince, qui pense que pour aller mettre un groupe dans le carnaval, la petite Mounio. Et ils vont bien remettre la dame là, qui sont là, va dans le petit dame là. Salut, madame là. Merci, merci. Thank you.
en position, masque on pas passer Finlande. Anessa qui a un carnaval li, qui baptise des patchas, il y a Jichet ensemble avec Ricky juste sous carnaval. Masque on pas qui c'est un monde qui présente un carnaval là depuis 5 à 6 dernières années. Masque on pas attendre nous. Masque on pas participer dans le carnaval là. Et après ma scopa, nous avons deux chars allégoriques qui passent. C'est chars allégoriques, la présidence. La présidence, là, mais qui passe sans reine. Qui passe sans reine, là, ensemble avec moi. Ou reine de reine, nous avons rappelé Anessa qui est Jérusalem. Reine de reine, nous avons rappelé qui est Jérusalem. Nous avons expliqué. Et Wadewa qui est Roussel, Eugène, Cadet. Oui. Et là maintenant, c'est Jacout. Jacout qui a privé. Jacout, selon sa comité carnaval, qui fait sortir jeudi. Qui t'a supposé sortir en premier. On va retourner après. On va quitter Mounio suivre, on va retourner. Président,
Let's go, 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 let
Je suis Zona, 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 je suis Zona
Yo pa' acá.
pour Stan Rex Théâtre, Stan officiel télévision nationale Haïti avec Radio Nationale Haïti. Moi en compagnie de Lionel Edouard et puis Méroné Jean Weekends. C'est un plaisir pour retourner sous Stan ça pour nous capable de garder déjà qui est nous qui passait. On constat c'est que c'est Max Compa qui fait passer et déjà son bien meilleur par rapport à hier soir. Effectivement, il y a une nette amélioration par rapport à hier soir, mais c'est toujours pas la sonorisation impeccable que l'on souhaite sur le parcours parce que il y a un problème qui vient, c'est que généralement, le groupe a toujours misé sur sa empile pour faire bonne impression sur le parcours. Et l'on a regardé au gain de ténor ou bien de l'autre groupe qui fait Capvini, qui dispose d'une bonne sonorisation et qui rivait. Il y a une réaction que j'ai cherché dans le public là. Et en misant sur un système sonore qui m'a dit céleste, qui est très impeccable. Donc l'organ ça, oui par rapport à hier, c'est déjà une amélioration, mais ce n'est toujours pas ça. Parce que en plus le monde reconnaît les Max Compa, c'est un groupe qui dispose d'un meringue acceptable. Et année ça, nous ne pouvons pas dire qu'il est parmi les meilleurs. Mais c'est un groupe qui a un meringue carnavalesque. Exactement. Mais là où elle passait, je ne veux pas dire dans l'indifférence, parce que quand même, et au niveau des stands, ou encore même dans des filières, il y a des gens qui plus ou moins réagissent. Mais ce n'est pas le niveau de réaction que nous avons attendu pour un groupe qui disposait d'un meringue qui est parmi les acceptables. Alors, donc, oui, bah et nous avons tout notre crasso, Charles Egoï qui t'a précédé, Max Compa. Lionel Edouard, nous avons plein de sons hier soir. Il y a une amélioration, même si ce n'est pas amélioration que nous attendons jusqu'à présent. Justement, mais il y a animation tout et puis il y a texte, mais jusqu'à présent. Très juste, très juste. Je nous connais ordinairement Gassa Delva dans le carnaval, c'est toujours en pile énergie, en pile fougue. Et à soyez encore une autre fois, il n'y a pas dérogé à la tradition, hein, c'est toujours même fougue là, même énergie là. Mais jamais on est souligné, li, malgré un mérin qui est assez populaire et qui occupe des places assez intéressantes dans différents hits par radio. Nous rendons compte que réaction au niveau du champ de Mars, que ce soit sur les stands, mais également dans l'allée et du défilé, c'est pas forcément c'est pas ça nous attend et que grâce à Delva lui-même Nitra et bail comme performance. Mais ce n'est que d'attendre, c'est le premier groupe et nous prenons loin et puis devant Christian Sabier. Oui, alors déjà nous connaissons un groupe qui a venu au gain, Jakout number one, qui est en route, qui est presque arrivé, grand l'animation avec Jakout number one. Pour Charles Gorikio, déjà, tu as posé la question. Qui ça veut dire? Deux premiers, troisième, c'est un petit genre circonspect, nous ne connaissons pas exactement. Qui sont comprennent? Jusqu'à présent, Charles Gorikio a toujours été un élément important dans le carnaval. Généralement, qui passe un message qui a rapport avec le thème. Bon, en réalité, Charles Gorikio fait partie d'un élément central dans l'orchestration qui est faite pour le carnaval en lui-même. Nous ne pouvons pas le temps élaborer. Oui, parce que là, il y a fait un signe que faut nous aller dans des casernes. Nous allons dans des casernes et nous retournons tout à l'heure. Jésus, wow. Thank you.
Voilà, nous retournons sous stand Rex Théâtre. Nous voyons qu'il y a une activité qui est déjà gagnée dans le casino. Chayo a avancé, il y a une petite classe après l'autre. Et Jean Tazurant tout à l'heure pour te parler de Charles Goricchio. Il a disposé Charles Goricchio un peu devant et puis dans le mi-temps. Il y a des gens qui ont reproché, qui ont espéré que Charles Goricchio était un petit peu dans le défilé artistique. Là. Mais il y a surtout des compréhensions par rapport à quel message Charles Goricchio voulait faire passer. En réalité, là, carnaval, c'est même genre avec un spectacle qu'on vient garder. En fait, si. Mais c'est un spectacle vivant. Bien sûr. Ok. Si carnaval là, et différents acteurs qui ont déroulé sous l'eau doivent faire partie de ça, un filage. Et je vais utiliser un langage qui est théâtral, mais qui n'est pas seulement théâtral, mais en tout cas dans didascalie. Et ça aurait les différents spectacles qui fait, qui pour offrir dans le grand public, leur parler de spectacle vivant, ou supposé qu'il y a une synchronisation. C'est-à-dire que il y a différents éléments fait entre eux pour faire sens. Et là, on prend de char allégorique pris séparément, qui ne pas vouloir dire rien, pour moi avec vous, qui sous site là, qui ne pas vouloir dire rien tout pour les gens qui regardent. Oui, oui, et peut-être. On a parlé de côté esthétique tout à l'heure. Et il y a deux chars allégoriques, en fait. Je ne vais pas trop critique. C'est-à-dire, pour les gens qui dire que bon, on a détruit, mais en tout cas, nous-mêmes, même j'ai rencontré l'autre monde qui. Qui spectateur, ils voulaient ouais belle bagaille. Et carnaval là tout, ils fêtent de ça. Ou te comprennes de premier chat allégorique ou bien trois premiers chats allégoriques. Alors justement, compréhension, hein, c'est pas oublier, nous dans le domaine de l'art, sur ouais. L'interprétation. Et pratiquement. Oh non, mais quand même, deux premiers, vous êtes quoi? C'était. Nous t'avons fait, nous t'avons bouté rhum. Voilà, plus voilà, ou moins. Mais voilà. Troisième, nous t'avons dit, j'en parais. Ça va dépendre, ça dépend de pile bagaille. Qui ça mounio voulait faire passer en tant que message à travers représentation en tout. Donc ça qui arrive, il n'est pas arrivé sous moi. Mais le fait que le pas arrivé sous moi, par les dit que message là, ou du moins feedback que vous attendez de présentation, ça qui fait par exemple, je vous dis à deux vervets d'ailleurs, deux coups d'œil où est son vervet, deux coups d'œil où est son bouteille rhum, quelque oui, part. Oui, mais c'est troisième dans le quotidien, nous ne pouvons pas faire. En fait, nous ne pouvons pas comprendre, nous continuer à comprendre. Je pense que gon note. C'est soirée l'on distorsion dans la musique par exemple. C'est-à-dire que le gain on côté au soleil senti... avec un guitare, une espèce de guitare. C'est-à-dire que suite logique là moi m'arrive à établir. Ah ben justement, et ça vraiment ça demande qui ça, ça demande que monde qui fait chant là, justement que nous avons discuté avec elle, poser la question parce que c'est sûr que dans l'imagination, gon bagaille que gon message que vous voyez. Et justement ce message ça que nous même nous pas arrivé décortiquer. Ça pas vouloir dire pendant pas décortiquer là. Que l'autre moun yo même yo pas arrivé de gros tickets. Gen gros activité qui a passé là et dans niveau extérieur. Voilà, c'est un l'autre chat allégorique qui a privé sous nous là dans sous stand mais c'est relativement loin hein. Mes personnes c'est surtout entre la présidence, c'est surtout la présidence que la privé coulé là. Un superbe chat allégorique. Alors faut souligner que il y a 49 jeunes filles et jeunes garçons qui en trois reines qui a sous chat allégorique qui a défilé dans le carnaval national en ça. Nous avons ajouté un barrage sur la question de Charles Allégorique là d'une manière générale. Bon, comme premier à passer déjà, et commentaire au fait, moi je pense que c'est l'expression même de l'art et de l'artisanat et haïtien, Charles Allégorique. Oui, mais qui marchait quand même avec le thème carnaval. C'est le plus grand podium d'exposition de capacité artistique haïtien en de carnaval là. Parce que mis à part Charles Allégorique, pas vraiment de l'autre côté que l'art haïtien vraiment exposé. Ok. Bon, mais là, de toute façon, nous avons tout à souhait pour nous garder quand c'était cher qui a passé. Nous prenons pour couler la présidence. Ah non, c'est surtout un char allégorique qui a passé devant la présidence pour couler là. C'est des designers haïtiens nous avons gardé sur page Facebook Félicia Del. Red Derren, c'est Félicia Del qui a publié photo Radla, designer. Beaucoup de couleurs, beaucoup de tissus. Et textile haïtien, Anessa, dans le journal Le Nouvelliste, il y a un article qui est sorti pour te dire quantité de monde qui est employé, Anessa, la création d'emploi a augmenté dans le système. Ça, nous espérons vraiment que dans le jour qui est venu, haïtien est capable de retourner dans. Longtemps, nous avons fait textile, mais ça, c'est une parenthèse. Hein? Pour nous retourner dans le char allégorique. Parce que je suis vraiment intéressé à Jean-Louis à aborder des débats. C'est vrai que ça, c'est côté nous paraître.
Mais est-ce que le patat doit marcher avec thème carnaval? Est-ce que le patat doit marcher avec deux messages clairs? Est-ce que nous parlons d'agriculture? Est-ce que nous parlons dans si c'est un changement climatique? Est-ce que nous parlons vers les énergies renouvelables? Qui ça, vous voulez faire passer là au sortir? Quelque part, moi-même, c'est là, je vais rejoindre mes ODE. Carnaval, là, thème, Haïti sur le changement. Donc, le changement doit se voir à travers les représentations faites au carnaval. Donc, c'est peut-être cohésion ça et fil conducteur ça qui peut traverser différents décors qui a un problème. Mais cependant, dans la construction char, conception même, il fait appel à ça dans un message, une information que je veux véhiculer. Donc, si l'information, moi-même, je veux faire là, et je suis sûr que je vais recevoir à travers l'exposition que je fais, quelque part, pour moi, son réussite, je ne bah qu'on est justement c'est oui. Feedback là positif mais déjà est-ce que nous-mêmes comme journalistes est-ce que nous gagnons attente par rapport à on défile carnaval je te dis en son filage son spectacle vivant nous-mêmes nous gagnons de attente par rapport à on défile carnaval je dis en par rapport à attente nous à ça nous vivons déjà comme journalistes de quantité de défilés que nous vivons déjà de superbes défilés que nous vivons déjà je dis en qui ça nous est qui gagne en plus comme nouveauté comme innovation comme création qui ça nous souhaiter qui t'a supposé rajouter par rapport au manque. Moi, j'ai dit que, j'aime commencer à dire tout à l'heure, que le carnaval, comme toute l'autre proposition, son projet qui pensait. L'un de son projet qui pensait, c'est-à-dire que du début à la fin, chaque élément qui est dans le projet doit faire sens et doit concourir à compléter le projet en lui-même. Maintenant, ça arrive, c'est que vous avez. Ou gen yon bon acteur, yon parle de plus de 3000 acteurs kap défilé sous parcours, sous site carnaval là. Mais par moment, ou gen l'impression que chaque acteur ou bien plusieurs groupes d'acteurs yon vle yon même font bagay pour contre yon qui pas entrer dans le projet global là. Voilà, donc c'est ça danger aïe. Moi même, c'est pas pour être méchant, mais m'remen que si gen yon proposition kap fait que l'irrité adapté avec ça tout le monde a prétend. En tout cas, yo annonce nous gagne de l'autre oui justement nous allons retourner dans oui des casernes côté gagne Kay avec Mika Ben qui a venu Mika Ben il rété quand même on est qui connait béton qui connait animer et nous songe performance hier soir là attend mieux encore à soir hier soir m'a retourner sur ça sonorisation tout groupe qui passait au vraiment pas au top à soir nous espérer que ça va changer Max va passer grand amélioration qui fait nous espérer que Mika Ben a une sonorisation qui bien mieux à soir et que déjà animation animation va te gagner à revoir. Par contre, sonorisation a été manquée. Nous espérons que c'est ça nous allons découvrir une plus bonne sonorisation avec une animation aussi top. Voilà, on a retourné dans la rue des casernes et puis on a retourné tout à l'heure. À la rue des casernes, c'est tout juste Kay avec Mika Ben qui est devant nous là. Oui, Kay avec Mika Ben qui était pour une petite pause pour être capable de faire un show Ram qui est même devant. Ram qui était troisième show qui passait jouer nous là. Nous avons masqué un pacte en première position. Et puis Jakout number 1 vient passer en deuxième position. Et puis et Ram en troisième position. Et puis Kay Mika Ben qui là, qui a préparé pour jouer. Parce qu'il était tellement collé ensemble avec Ram malgré que. Il y a un char allégorique qui est séparé, qui est un char allégorique. Yeah. Ministère à la condition. Ministère à la condition femme, qui est séparé. Mais il voulait que Ram finisse avancer d'abord pour eux-mêmes, pour être capable de jouer, pour être capable d'éviter la cacophonie en certes, mais tout prend temps pour le bien passer. Le fait que ce soit dit là, Mika Benzou lui-même, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé, bonjour pour la guerre. Bonjour pour la guerre, c'est ça, Mika Benzi. Et nous avons rappelé qu'en première position, c'est Mascompa qui est passé. Tout de suite après Mascompa, qui est passé par beaucoup de nous et à Vivalio, qui part campé même, qui est lagué, on seul lagué, qui lagué en 85, mais qui est traîné en pile moule de elle. Suivi, c'était Jakout number 1 et puis Ram.
Et puis c'est Kaye avec Mikabine qui c'est quatrième show qui vient pour performer dans le jeudi. Nous avons gagné des chars allégoriques qui passaient, nous avons des chars allégoriques la présidence qui passé, mais qui pas gagné Reine des Reines dans Souli, qui Anessa Arele, Jérusalem Modelus, qui sont mannequins professionnels, qui a fait expérience Reine pour la première fois, mais qui était habitué à participer dans le carnaval parce que Jérusalem Modelus a participé dans le carnaval comme danseuse. Il était qu'on déguisé en indienne, il était qu'on a dansé, mais c'est première expérience. Et Wadewa, qui c'est Roussel Eugène Cadel lui-même, et contraire à Jérusalem, l'habitué à participer dans le carnaval. Mais ils ont tous les deux gros bagages en commun. Tous les deux ces mannequins ont fait partie de même agence, là, qui c'est Zoul Talent Agency. Il y a même agence là, et c'est Mati Domecq, nous connaissons, qui est dans tête Zoul, et Rende Renna, qui lui-même a un an. Depuis qu'il finit avec études en hôtellerie dans high-tech, et puis et nous avons Wadewa lui-même qui a étudié médecine dans Unifa Université Fondation Jean-Bertrand Aristide là. Nous avons l'autre champ allégorique qui passe mais qui va gagner règne sur effectivement. Par exemple BNC et champ allégorique BNC a li passé sous li pas gagner règne. Et c'est seulement champ allégorique la primature là qui était passé ensemble avec règne sous li. Oui. Et un champ allégorique qui marqué caravane changement qui gagne deux cheval sous li. Donc je pense que Renyo automatiquement Charles arrivé en fait après tête Sean Massa Renyo a supposé monter exactement mais Kaimi Kamen Anessa qui a fait deuxième expérience et dans question carnaval là Kay ensemble avec Mikaben l'année dernière il était sorti Magui pa caramel MPK Anessa il fait et chimie et il mettait artiste punch sous et merengue à Anessa pour capable bien passer c'est une merengue qui très populaire mais pendant un petit ça tout cas il faut que moi attire attention en pile monde et où connaît Anessa grand pile carnaval qui gagne en pile collaboration ma compte sous ça par exemple et nous gagne si n'a concentré sur si n'a concentré sur ça qui dans défilé oui. Sous 21 groupes qui choisir par exemple parce qu'on va gagner Tichet ensemble avec Ricky Juste Souli avec artiste punch Momi Kaben qui naturellement oui. Toujours ensemble avec Kai gagne impossible qui gagne DJ Boulet Souli gagne Walk Femme qui mettait Jean-Bernard Thomas sous carnaval et ceci depuis l'année dernière on pense c'est très intéressant parce que il y a des artistes ou pas oui. Forcément imaginez vous faire carnaval par vous pour compte yo. Donc là vous avez une opportunité pour participer non mais dépendamment de notoriété artiste lui-même n'est rien par exemple artiste punch featuring nan yeah. Et carnaval Kaila Mika Ben Laden mais vous faire carnaval par vous donc là on a suivi avec Kai et puis Mika Ben artiste punch. Yeah, yeah. So, yeah. 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 Well, yeah. Yeah. Blague. Où est le ménage? Où est le ménage? Merci à vous, Lunel. Merci pour cadeau de Noël là. Nous allons lager. Yeah.
Yeah. Yeah. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Yeah. Ok. Installation. Logiciel, oui. Nous va larguer. Nous va larguer. Oui. Nous va larguer. Nous va larguer. Rassembler, rassembler. Rassembler, rassembler. Rassembler, rassembler. Rassembler, rassembler. Rassembler, rassembler. Pague, classe, fort. Pague, classe, fort. Pague, classe, fort. La télévision nationale, Haïti, chérie. Mais j'avoue. On va mettre. Avec RNH dans angle rue Saint-Honoré avec Wikapwa. C'est là nous retournons, moi-même Suzanne Joseph avec mes René Jean-Wilkins et Lionel Edouard. Toute notre équipe yo a rejoint nous au fur et à mesure. Nous avons toujours été entre des casernes, la présidence avec Rex Théâtre pour permettre tout vivre, tout défiler carnaval là. Nous avons deux chars qui passaient déjà. En fait, char Max Compar qui passait avec un début de char allégorique. Nous disons début parce que. Après, c'est pour l'autre char qui passait que nous avons mis d'accent sous lui. C'est défilé de Timoun dans le carnaval. Ok? Charles a été dans le carnaval Pétionville tout. Et il y a pratiquement 15 jours. Il y aurait le parade naval. Justement, et Timoun, justement, défilé dans le carnaval avec un ensemble de messages. Pour d'ailleurs inviter Moun à protéger Timoun, respecter les droits de Timoun. Que nous pensons qu'ils sont notre positif tout dans le carnaval. Ce qui est une occasion de rappeler que si il y a un Timoun qui perdu, nous avons toujours mené sous stand de la présidence. Sans gagner Iberce Kavla pour recevoir Timoun ça. Après une heure de temps, Jean, directrice générale Iberce Santé, dit a gagné, a mené Timoun ça dans le bureau central Iberce. Et c'est la parole a capable de rejoindre. Voilà, nous retournons. Mais on est nous parler de filage gagné, un de spectacle vivant que des filets artistiques là doué et qui gens que nous senti que nous n'avons pas gagné une trop symbiose dans notre même. Chaque monde pratiquement gagne un projet en dedans projet global là, mais projet a pas gagné symbiose dans mitan chaque projet ça. Oui, alors me dit ça, carnaval là son proposition. On a parlé de proposition, c'est-à-dire que son projet que un groupe moun gen, yo di, mais qui ça yo vle vin projeter. Ok? Donc, li pense du début à la fin. Et depuis premier char allégorique là, ou bien depuis premier groupe déguisé qui a défilé à terre, commencé à jusqu'à dernier char musical là, faut me sentir que ça yo propose maintenant, c'est lui qui fait. Alors, sous que thématique l'a développé. Thématique l'a développé. Et Lionel a dit ça tout à l'heure, on a parlé de Haïti sous le changement. Et là, on prend chaque séquence
ou bien pas même dit chaque groupe l'autre en chaque séquence, c'est-à-dire qu'il y a fait d'un char allégorique, d'un groupe musical, d'un groupe défilé à pied, d'un ensemble de jeunes qui déguisaient. Je pas senti cette synchronisation qui reflétait un pan de projet ça que j'ai annoncé que je vais assister à. Et c'est très dommage parce que le carnaval là même dans la conception lui mettait en phase sous aspect ça qui c'est le côté artistique, le côté esthétique avant même qu'on arrive dans l'aspect de défoulement qui fait sur fond de musique. Et le danger c'est que en Haïti depuis quelques temps, en fait, depuis quelques bonnes années, il y a un peu de monde qui plus de soucis de regarder qui groupe qui fait plus recettes. C'est-à-dire tel groupe passé sous parcours, est-ce que le drainé plus full par son lot? Tandis que côté artistique, ça n'a pas l'air à nous, au char allégorique qui a privé là. Exactement, c'est un char allégorique qui t'a supposé charrier quelques informations. Sous par rapport à thème non peut-être. Alors faut dire que hier soir déjà nous t'avons très peu occasion ouais char allégorique. Ça fait deuxième char allégorique qui pratiquement a viré là qui va arriver sous nous dans Wikapwa. Alors juste une petite note dans Wikapwa côté nous c'est un char de MSC plus d'après Samuel là non MSPP non MSPP. 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 Alors c'est généralement c'est le ministère voilà c'est le ministère qui gagne qui charrie de messages à travers char allégorique. C'est des messages qui liés à la santé publique. Il faut dire que déjà les maladies chroniques inquiètent beaucoup ces temps-ci. Et c'est vraiment une opportunité pour le ministère, l'autre fois encore rappeler. On peut mettre moi continuer, Idemna, Suzanne. Alors, ça me dit à l'heure, c'est que sous parcours là, justement, nous avons besoin, ouais, et synchronisation ça qui existe, suite logique ça qui doit exister dans différents aspects qui gagnent dans le carnaval là, pour permettre que Mounio assiste à spectacle là, j'en loue belle pour eux, même j'en ai mon cap gardé. Alors, ça permet moi de retourner. Je me souviens, j'ai eu une conversation avec Lionel dans ce sens-là. Carnaval là, c'est côté nous hier scène côté la défilé mais média yo gen un rôle que yo vinn jouer dans carnaval là qui peut-être pas dans vocation carnaval là le yo te fait commencer parce que en pile monde connaît que carnaval sont fêtes païennes qui commençait depuis l'antiquité et qui vinn continuer yo dit c'est européen yo qui mène en Amérique. Donc l'un en Amérique n'a parlé de Haïti tout, puisque Haïti fait partie de l'Amérique là. Son fait qui commençait en Haïti ou bien dans l'Amérique avec la colonisation. Mais nous-mêmes, nous venons porter touche par nous là-dedans. Qui fait que ça a été vlelte en vent, li pas même genre. Et si nous portons touche par nous là-dedans, c'est-à-dire tout ça nous gagne comme côté exotique, tout ça nous gagne comme âme haïtienne qui fortement lié avec la négritude. Qui lié à l'histoire nous en tant que peuple qui vient indépendant. Donc tout ça yo reflété en dans une institution culturelle dans ça nous avons organisé. Voilà. Certainement. OK. Mais tout à l'heure tu as dit ça oui, je t'ai dit que c'est à travers le carnaval là que puis faut nous dit qui est nous est. Alors voilà, Goucha allégorique qui a pratiquement arrivé sous nous. Jamais on est à deal, c'est occasion vraiment vraiment pour si c'est le char de la présidence. Alors, c'est la présidence. Oui, alors char MSPP a été capturé tout à l'heure à bord. Qui est plus près nous. Voilà. Le char allégorique de la présidence. Bon, qui pour moi même paraît c'est char allégorique ça qui t'a supposé gagner sous lit la reine des reines tout. C'est à vérifier. Parce que jusqu'à hier, c'était sous chassa que tu as gagné Reine des Reines. D'ailleurs, que designer Félicia Adèle habillé. Et son très bel char. Et par rapport avec le mariage des couleurs également. Et nous avons dit les beautés humaines qui montaient sous chassa. Son très bel mariage. Et je pense que téléspectateurs TNHO, à travers les images
qui a privé la caillou sur petit écran yo, yo capable apprécier même genre avec nous et mélange ça, mélange de couleurs et de lumière et surtout de beauté humaine qui fait et qualité bel mariage là qui bail chance. Alors, ça, jamais là. On est abdi là, son analyse polisé la flore. La tempérance aussi. OK, avec parce un que... nombre. Nous ouais. connaissons Haïti depuis quelque temps manifester un grand alors, intérêt. C'est le palmiste. Oui. Le palmiste. Mais au-delà de palmiste, là, c'est Haïti manifester un grand intérêt pour discussion qu'a fait sur changement climatique. Yo, il fait signature COP 21, il parlait de ça dans la conférence de presse. Il dit que prend des mesures. Le ministère de l'Environnement est là pour respecter les mesures. Il n'y a pas longtemps, il a rappelé Mounio et même tout le long du parcours du carnaval, il a rappelé Mounio suspendre l'utilisation de ustensiles qui fait en forme. Ça veut dire que Haïti a une disposition qu'elle prend, il y a une décision qu'elle prend vraiment pour améliorer les conditions environnementales. Alors, avant quoi, le jeune Lionel? Moi même observation moi ça moi c'est que sous chaque président nous ouais on image et pour moi même qui est très forte et qui mène nous penser à la construction du palais national. D'ailleurs pose première pierre là t'es faite et 7 février passé là une façon pour te marquer justement et réhabilitation, on dit reconstruction monument ça, qui c'est le symbole du pouvoir en Haïti et qui symbole de la puissance même et du pouvoir exécutif comme cette pouvoir, notre pouvoir l'État. Donc même parce que message ça, contrairement avec tout à l'heure, l'arrivée quelque part, Charles a dit nous que la construction du palais oui. est lancée. Oui, alors qu'il faut dire, oui, c'est ça qui était important pour nous souligner, c'est que la Commission nationale a été rappelé que palais avec la même architecture là, à la différence que un peu plus répondre à besoin de l'exécutif là dans le travail. Et ça c'est vraiment important, ça veut dire que c'est exactement l'architecture ça que nous parlons. Nous disons que nous avons repassé le palais national, nous qui te vivre 12 janvier. Alors, élément fondamental, norme antisismique et parasismique, tout qui va respecter dans le cadre de construction ça. Parce que palais, c'est vrai, il tombe le 12 janvier 2010, mais c'est pas peine que journée aujourd'hui en construction définitive et par rapport avec une menace sismique que Haïti gagne qui prend sous tête tout le temps. Donc, il est fondamental que, quelle soit construction à faire, il réponde à normes antisismiques. Voilà, un premier champ allégorique qui déjà a transmettre un message. Et message ça qui est important pour nous. Là, nous allons aller dans la rue des casernes, côté gagner l'autre ambiance, nous permettre de vivre tout point haut. Et nous permettre deux collaboratrices qui sont dans la rue des casernes, Cassidy avec Fallon, permettre de vivre l'ambiance ça.
Yeah.
Allez, 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 allez,
prendre la présidence là en côté au fur et à mesure nous là pour nous porter information officielle qui sont de bon côté autorité yo. Sur tout ça qui concerne le parcours là, donc de temps en temps il y a une information de première main qui vient. Donc autorité est toujours disponible pour nous donner information. D'autant plus stand ça, c'est lui même tout qui logeait stand première dame là, qui vient la donner au Fatma. Et là avec nous nous avons un comité national d'urgence et de secours. Donc qui vient en tête lui, première dame républicaine madame Martine Moïse avec ministre et santé publique à la population docteur Clément Zetawa qui avec nous hier nous était déjà baou un bilan et partiel de et hier de première journée défilé a mais autorité avec nous là je dis non seulement yo pral ba nous une idée de hier dans globalité li sur toute stand qui était sous parcours comment ça était et un bilan pour aujourd'hui en attendant comment ça y est pour première partie deuxième journée. Ministre Gretawa, bonsoir, bienvenue sur télévision nationale d'Haïti. Nous là n'a parlé de bilan, qui information qu'a porté pour nous. Même avant de parler de bilan, m'a dit bonsoir à tout le monde. Bilan hier là, nous gagnons dernier chiffre après-midi. Nous gagnons 254 victimes sur tout parcours carnaval là. Mais m'a couru dit que moitié là-dedans, c'est des gens qui étaient détresse respiratoire, ça veut dire des gens qui pas senti capable de respirer bien, qui t'a tout fait à cause de foule ou bien des gens qui sont des asthmatiques. Qui rentrent dans le foulant et qui étaient pour rentrer dans le poste médical avancé. Donc, moitié là-dedans, c'était des gens qui ont des détresse respiratoire. Reste caillot, à peu près 20% de caillot, c'est des blessures légères et seulement 10% sévères. Ça veut dire que c'est des gens que nous avons fait référer à l'hôpital. Donc, en gros, c'est le bilan ça que nous avons gagné. Quant à Timoun abandonné, il berce après-midi, on te voyait le bilan partout. Je te recevoir 25 appels. Sous stand première dame, yo te gen à peu près 4 timoun. Gen yon qui récupéré là-dedans. Gen l'autre timoun que yo te prend et que yo poko remettre bon, à cause de problèmes d'identification des parents. Même pense que koun y a timoun yo remettre à parents. Et puis te gen l'autre timoun en cas de vulnérabilité que Ibers te joint. Donc en gros, c'était ça. 254 victimes, moitié de cas de détresse respiratoire, 10% de sévère et puis restant entre légère et modérée. En termes de ressources humaines, est-ce que nous toujours gagnons même effectif? Est-ce que c'est même quantité de médecins yo, ou bien à partir de premier journée hier, là, nous avons une nécessité soit pour nous augmenter, soit pour nous dispatcher médecins yo et dans l'autre zone? Bon, en fait, c'est toujours même quantité de médecins yo, parce qu'on connaît au fur et à mesure que le jour avancer, avoir plus de monde dans le carnaval. Donc, merci tout le bagage passé bien, nous espérons que nous n'avons pas autant de victimes. Mais nous toujours qu'il y a même quantité de médecins, même ça qui est planifié, c'est ce qui est planifié jusqu'à présent. Je vous dis, nous ou tout vrai, M. Agabus, qui est directeur général au Fatma, et peut-être que le directeur a lui-même tout, il y a une information à capoter pour nous. Bien sûr, Sabine, je te dis là d'ailleurs, c'est le Comité national d'urgence et de secours là, qui est en tête de la première dame République, là, accompagnée de ministre Santé. Et très certainement, le directeur général au Fatma a une implication partout. Et déjà, nous, presque 10 heures, carnaval avancé pour deuxième journée là. Dis-nous qui ça a gagné comme élément d'information jusqu'à Kounia, comparativement avec hier, comment ça est? Bon, et d'après bilan que le ministre dans ce bail là, et journée hier assez positif, il passait très bien. Et n'a dit moun yo pour yo continuer sous même lancier. Vive carnaval là. Parce que carnaval là, c'est 3 jours duré seulement. Mais des gars que il a fait yo, il a duré pendant toute vie moun nan. Et ensuite, c'est toute une famille qui a pas souffri. Donc, n'a pas demandé tout moun yo pour yo prendre plaisir yo dans la paix, dans la joie. Et c'est là ça. Vraiment, message président a pour réalité que Haïti sous route changement. Donc, nous mobiliser, nous avons une équipe sous stand première dame de 84 personnels médicaux et nous avons chirurgiens, orthopédistes, gynécologues, urgentistes, internistes, une trentaine d'infirmières, brancardiers, secouristes. Nous là pour nous battre soin et toute qualité urgence qui vient, nous stabiliser en attendant que nous référions
soit à l'hôpital général, soit à l'hôpital au Fatma Cité Militaire, ou bien l'hôpital La Paix. Donc, travail là fait de concert avec tout acteur dans santé, ministère de santé publique, au Fatma, Croix-Rouge, IWO. Donc, c'est comme ça travail là poursuivre. Pour journée aujourd'hui, nous enregistrons seulement 7 cas et que nous stabilisons qui rentrent la caillou. Il n'y a pas aucun problème. Et comme première dame, nous te recommandons que faut noter innover à Nessa avec une cellule pour qui pour que nous récupérer tout le monde qui perd du haut. Jodi à là nous gantan joine 3 cas et nous mettez psychologue à la disposition tout le monde ça pour qui faire des séances de travail avec yo ainsi que travailleur social. Donc n'attend parent yo vinn chercher yo et si parent pas vinn chercher yo nous travaillons de concert avec bien-être social qui a récupéré Timoun Sao et qui a fait suivi légal là. Donc, c'est bilan partiel pour aujourd'hui, 7 cas seulement, et nous avons 3 Timoun que nous déjà récupéré sous stand première dame. Nous connaissons pratiquement deuxième journée grâce à la li encore jeune. Qui message vous êtes capable de gagner pour les gens qui regardent la sur la télévision nationale d'Haïti? Un message particulier, c'est qui ça le tabie? Bon, nous disons tout carnavalier prend plaisir dans l'homme et c'est laisse vraiment tant que le président dit Haïti sur route changement tout bon vrai. Merci docteur Agabus et joyeux carnaval. Merci, c'est nous-mêmes, Santé publique et au Fatma pour remercier RTNH pour le gros travail que l'a fait. Merci. Voilà téléspectateurs et téléspectatrices et Télévision Nationale d'Haïti où tu as suivi l'intervention du Dr Agabus Joseph, qui est directeur général au Fatma, accompagné de ministre Santé publique, la Dr Greta Roy Clément. Nous rappelons que c'est le Comité national d'urgence et de secours qui gagne en tête la première dame République, la Martine Moïse, et ensuite qui est secondé par le ministre Santé, qui au même travail pour capable porter secours et soutien avec la population pendant la fête pendant 3 jours. Là. Nous souhaitons une opportunité pour être capable de premier bilan. D'ailleurs, selon le docteur Agabus Joseph qui lui-même qui dit jusqu'à présent c'est 7 cas qui sont qui pas trop grave. Donc message à lancer ou même qui encore la cas ou capable. Notifions que Télévision Nationale d'Haïti nous présente sur tout le parcours pour nous permettre de vivre le carnaval 2018. Là, encore une fois, joyeux carnaval à tous. Voilà, nous retournons sous stand officiel Télévision Nationale d'Haïti. Je rappelle que Télévision Nationale d'Haïti a plus que 4 points pour cerveau. Certificateur fermé depuis le défilé artistique fermé en tout. Nous entrons des casernes, la présidence et puis stand Télévision Nationale d'Haïti avec Radio Nationale d'Haïti qui n'a angle oui Capbois avec le oui c'est honoré. C'est toujours Suzanne Joseph avec Méroné Jean Wilkins et puis Lionel Edouard qui l'a pour cerveau. Nous saluons en particulier les gens qui sont dans la diaspora qui a écrit nous sur Facebook. Oui, Télévision Nationale d'Haïti content avec nous pour servir nous. Oui, Télévision Nationale d'Haïti a fait
tout ça qui est possible pour toujours continuer à porter plus bon retransmission carnaval là pour particulièrement famille qui a suivi dans Upstate New York, monde qui a suivi dans Binghamton. N'a saluer famille Delima avec Joseph et la famille Duré. Voilà, nous retournons avec Lionel Edouard. Nous t'as parlé tout à l'heure de Charles Allégorique. Nous voyons Charles Allégorique. Charles Allégorique la présidence s'en passait. Il y a deux Charles Allégorique qui passaient dans Wider Caserne avec devant Stan la présidence qui peut arriver sous nous là à côté nous hier. Nous connaissons un espace important puisque nous même pratiquement dernier point pour Charles Allégorique avec Charles Musique. Bon, c'est vous Charles qui passez effectivement, il y a deux chars allégoriques. Mais en tout cas, jusqu'à présent, là-dedans qui attire l'attention, c'est le char de la présidence. Oui. Qui, pour moi-même, fait un... Char de la présidence là, qui attire l'attention, mais on est Jean Wilkins. Oui, en fait, on a dit que c'est char de la présidence là qui... Nous avons dit que c'est Charles la présidence qui a attiré l'attention jusqu'à présent parce que, et au moins, ils font proposition. Et Lionel te reconnaît à l'heure que et son chant qui fait référence à la reconstruction. Et normalement, nous avons la maquette de la reconstruction du Palais National qui va être reconstruite à l'identique. Mais, et ingénieur ou bien architecte qui fait partie de la commission de reconstruction, nous devons bien prendre soin pour rappeler que non seulement l'app à l'identique, mais aussi l'app a l'impression que l'y présenter de manière plus grande. Ah oui, et on appelle la candidature qui est faite pour. Et l'autre élément qui est important, c'est que l'app parasite.